Bon matin à tous. Oh là, il y a la craie qui a sauté. Aujourd'hui, jour 18, c'était une super journée. Enfin, qui s'est bien finie surtout. Aujourd'hui, je suis quasiment pas allé en cours le matin. J'avais normalement 2 heures d'exo de 9 à 11 de prog. Et ensuite, cours de 11 à 12. Je suis pas allé aux exos parce que j'avais déjà fait des exos chez moi. Donc, j'ai jugé que ce n'était pas nécessaire. Du coup, je suis allé que pour le cours. Qui, bon, était... Il y avait 2-3 trucs en plus par rapport au MOOC, mais encore une fois, pas grand-chose. Du coup, avant, j'ai bossé un peu. L'ICC, l'info, partie théorie, quoi. Parce que je n'avais pas trop bossé depuis le début de l'année, même pas du tout. Donc j'ai repris un peu les séries de la semaine dernière déjà, sur la construction d'algorithmes, tout ça. Et je suis pas encore au point, faut que je retravaille ça un peu ce week-end. Voilà. Ensuite, l'après-midi, on a eu cours d'algèbre. Waouh, le cours d'algèbre, elle a tracé comme Jaja. On a sauté à peu près la moitié de 3/4 du chapitre presque. Parce qu'en fait, le chapitre, c'était anneaux et corps, comme je vous l'ai déjà dit, où on faisait une intro générale sur ce que c'est qu'un anneau, ce que c'est qu'un corps, puis ensuite des gros trucs d'exemple sur les complexes qu'on va utiliser, la structure de corps d'ensemble des complexes, et ensuite la structure d'anneau des polynômes. Donc on a fait les deux aujourd'hui, et on a quasiment fini. Pour vous dire qu'on allait super vite. Parce qu'en fait, surtout sur les complexes, en fait, on a juste défini, traité le truc, mais toutes les démonstrations et propriétés, les a juste passées. Elle nous a dit, vous irez voir sur les notes de cours, mais de toute façon, c'est logique, parce qu'au final, c'est exactement, à la lettre près, à la propriété près, ce qu'on a fait jusqu'en terminale. Donc, voilà, pas de soucis. Pour les polynômes, par contre, c'était un peu plus... compliqué parce qu'on n'a pas vu ça sous forme de polynôme et sous forme de suite avec certaines propriétés on définissait des lois de composition sur les suites d'une manière un peu chelou et bref c'était un peu bizarre, ça faisait sens, c'était très rigoureux, c'était Gucci comme diraient certains, mais c'était un peu bizarre. Ensuite l'analyse, L'analyse, j'ai réussi à finir la série d'aujourd'hui et la série de mardi que j'avais complètement laissé en plan. Ce fut deux belles heures très productives pour moi. Bon, la série d'aujourd'hui, c'était sur les séries, sans mauvais jeu de mots. Mais bon, c'était pas très très compliqué parce que je voyais déjà à peu près de quoi ça parlait. Puis j'avais déjà fait pas mal de trucs dans le genre. J'avais déjà fait des trucs dans le genre avant. Du coup, clairement, c'était. En une demi-heure, c'était plié. J'ai discuté en plus à la fin avec mon mentor, qui est un des assistants dans ma salle. Puis il m'a dit, oui, mais t'as fait gaffe, parce que t'as peut-être fait une erreur, il y avait deux erreurs que tu pouvais faire, je sais pas quoi. Je fais, oui. Mais ce truc, je l'avais pas fait. Du coup, cool. Et surtout, j'ai réussi à finir la série de mardi. Donc ça, je suis très content. Voilà. Ça m'enlève un poids, vous pouvez pas savoir. Parce que franchement, cette série, elle m'avait cassé les pieds, mais genre au plus haut point. Voilà, je ne pouvais plus marcher limite en sortant de la série. Du coup, je suis content d'avoir fait. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais remercier à tout le monde qui a répondu à ma requête d'hier pour les idées de vidéos. Il y en a pas mal qui ont commenté des trucs sur YouTube, mais surtout sur Insta, en story. Par contre, faut que vous vous calmiez un peu, les gars. Parce que, moi je disais ça sérieusement. Et je me disais, oui, il y en a qui vont faire des rigolos. Mais je ne m'attendais pas à avoir comme proposition de vidéo dégustation de sushimi, de surimi, pardon, en couple, ça tourne mal. Ou encore vidéo sur la fraude fiscale en Suisse, ou je sais plus quoi. Je les ferai peut-être un jour. Mais ça va être de manière assez caricaturale. Bon, bref. Sur ce, je vous laisse. Je n'ai pas d'idée de devoir aujourd'hui. Vraiment rien. Ah si. Aujourd'hui, en cours de prog, du coup, le prof nous a parlé d'un petit mot-clé qu'on utilise en programmation qui c'est pas bien utilisé. Il veut pas qu'on l'utilise. Et pour nous donner un exemple historique, il nous avait pris l'exemple de AT&T, qui est un opérateur mobile aux États-Unis, qui, à cause d'une erreur de programmation,
incluant ce mot-clé, eh bien, il y a eu un bug gigantesque et en gros tout le réseau national a été coupé pendant 9 heures. Ça peut paraître relativement peu, mais du coup, il y a quoi? 16 000, 16 000 personnes qui ont été affectées, qui en avaient besoin sur le moment même. C'est peut-être pas dans tout le pays dans ce cas, peu importe. Et du coup, il y a quoi? Je sais plus, des millions de conversations qui ont été loupées, je crois, c'est comme ça. Donc, c'était assez énorme. Voilà, cherchez-en plus si vous voulez. Sinon, bah juste, c'est moi qui ai fait le devoir pour vous. Allez, bonne soirée à tous. Abonnez-vous. Un Français le PFL sur Insta. Répandez la bonne parole. Puis, allez, à plus. Salut.